Mais qu'est-ce qui se passe? Il est rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais explique-toi, je peux pas comprendre. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais en même temps, mais c'est quoi ce truc sur ta bouche? Regardez les amis. Qui t'a fait ça? Tu sais pas qui c'est? Oh, c'est quoi ce truc? Tu sais qui c'est ou pas? Non mais regardez les amis. Qu'est-ce que t'as? En plus c'est impossible de l'enlever, c'est trop collant, c'est un truc de fou. Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous en tout cas, bah comme vous le voyez, ça va pas trop encore une fois aujourd'hui. Parce que j'ai entendu Lily Rose, elle tapait contre le mur comme ça, elle tapait contre la porte. Et j'arrive dans sa chambre, regardez ce qu'elle a sur la bouche. Elle a une espèce de truc ultra collant comme ça et t'arrives pas à l'enlever du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon écoute, je vais essayer de l'enlever. Attends, je promets d'essayer de pas te faire mal. Attends. Oula 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 là. J'ai pas envie que ça enlève ta peau aussi. Mais qui t'a fait ça? T'as rien vu? Tu t'es réveillé comme ça? Tu dormais, tu t'es réveillé comme ça? Bon, écoute. J'ai peut-être une technique, vas-y, on va aller dans la salle de bain, on va essayer de mettre un peu d'eau dessus, on va voir si ça marche. Là les amis, il se passe plein de trucs bizarres dans notre maison. Ce matin quand je me suis réveillé, j'étais bon, tranquillement dans ma chambre, et là j'ai regardé à côté de moi et il y avait plein de slime dans mon lit. Il y a quelqu'un qui est venu pendant la nuit et qui a mis plein de slime vert, rouge dans mon lit, j'en avais même plein sur moi. Il y a quelqu'un qui est chez nous qui arrête pas de nous faire des pranks. Attends, t'es sûr que ça part pas? Bon allez, les amis, on va essayer de mettre de l'eau dessus pour voir si ça règle le problème. On va essayer avec de l'eau pour voir si ça se décolle. Vas-y, montre un peu ta bouche, parce que là, vraiment, ça veut pas se décoller. Hop, normalement, avec de l'eau, ça ira mieux. Attends, vas-y. Ah, c'est bon, j'ai le bout. J'ai le bout. Ah, c'est horrible. Ah, c'est bon, ça a marché. Ah, mais ça devait te piquer, c'était horrible ce truc. Ah, c'était horrible. Oh, il y a un goût bizarre de plastique, là. Ah, vas-y, jette ce truc à la poubelle, mais du coup, t'as rien vu. Mais pas du tout, je me suis réveillée comme ça, je voulais bailler et du coup bah... Bon ça va, au moins on a réussi à l'enlever, vas-y mets ça à la poubelle. Les amis, il faut qu'on trouve une solution et il faut qu'on sache qui fait ça. Parce que c'est... T'entends? Il y a quelqu'un, c'est Peppa Pig qui crie. Qu'est-ce qui se passe? C'est Peppa Pig. Peppa Pig, on peut rentrer? Eh oh! Il est dans sa chambre. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Vas-y. Peppa Pig. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous appelle depuis tout à l'heure là. Regarde, il est totalement. Toi aussi t'es piégé, mais moi aussi. Bah oui, comment ça se fait? Il est totalement piégé avec une corde. La bouche. Je me suis réveillé, regarde comment je suis. Ouais, il y a quelqu'un qui a scotché. Mais non, mais faut qu'on te libère là. Il y a quelqu'un qui a scotché la bouche de Lily Rose pendant qu'elle dormait. Attends, pendant que je dormais, il y a quelqu'un qui a mis du slime sur mon lit et tout. Comment c'était tout gluant. Aide-moi à me lever, Lily Rose. Oui, bah on peut pas, faut tout enlever. On fait la corde là, il n'y a pas le choix. Ouais, comment on peut faire? Attends. Bah, cherche le bout déjà. Eh oui. J'avais pas vu celui-là. Eh oui, c'est moi, le lutin farceur. Ah, c'est moi qui ai fait tout ça. Vous réussirez pas à m'attraper. La lampe. La lampe, il est parti où? Attends, mais c'était le lutin farceur, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est parti où? Les amis, je m'en doutais que c'était quelqu'un comme ça qui avait fait tout ça. Tu l'as vu partir ou pas? Mais non, mais il est parti par là. Il a commencé à rigoler, à parler. D'un coup, il s'est projeté comme ça vers le couloir. Bon, vas-y, il faut aider Peppa Pig déjà. Bah, attends, aidez-moi à me lever. Ah, ouais. Voilà, comme ça. Vas-y, il faut qu'on défasse le nœud. Il faut qu'on enlève la corde. Là, ça va pas du tout. Bon, écoutez, les amis, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, à mon avis, il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont reconnu. C'est un des lutins farceurs. Les lutins farceurs, vous vous demandez certainement qui c'est pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est des lutins, bah, vous l'avez vu, hein, des petits lutins comme ça. Souvent, ils viennent aux environs des fêtes de Noël, Nouvel An. Ils viennent souvent en fin d'année. Ouais. On les avait jamais vus dans cette période de l'année parce que mais là. Oui, mais là, on est en été. Quand on fait cette vidéo, on est en été. Je comprends pas ce qu'ils font là. Et leur but, ils sont minuscules, mais leur but, c'est de nous embêter le plus possible pour gâcher Noël, pour gâcher les fêtes. Et là, à mon avis, ils veulent gâcher nos vacances. Mais c'est pas possible, normalement, ils sont là vraiment que à Noël, quoi. Ouais, franchement, je comprends pas. Bon, écoutez, les amis, on va pas se laisser faire par eux. Il faut qu'on fouille toute la maison, il faut qu'on s'en débarrasse. Là, en fin d'année, on avait réussi à s'en débarrasser. Voilà, pas loin de Noël, on avait réussi à s'en débarrasser. Parce qu'ils étaient venus chez nous, on les avait enfermés dans des petites boîtes et on les avait jetés. Bon, vas-y, on va fouiller la maison. On va essayer de les trouver et surtout on va faire en sorte qu'ils nous refassent plus de pranks comme ça parce que c'est vrai. Ah non! Regarde par terre! Oula! Il y en a un! Encore un? Il y en a un autre! Non, mais c'est pas possible, ils sont revenus à plusieurs! Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible! Eh oh! Eh oui, Esteban!
Tu m'as trouvé. C'est moi le lutin farceur. Mais nous sommes déjà plusieurs dans votre maison. On va gâcher vos vacances. Eh oui, on ne vient pas seulement à Noël. On vient toute l'année. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça commence? Va prendre des petites boîtes. Oui, pour il faut qu'on réussisse à les enfermer. Ah, mais en plus, ils sont restés en tenue d'hiver, là. Oh, ils sont restés en tenue de Noël. Hein. Bon, même écoutez. Le chat, il a peur. Ah oui, regardez. Parce que, oui, c'est vrai que les chats, ils avaient été pranqués aussi par les lutins farceurs. Il y a des lutins farceurs. Oh, ouais, ils ont peur. Il y a des lutins farceurs qui s'étaient accrochés à nos chats. Ils s'accrochaient aux queues de nos chats. Et... il est où? Mais non, mais pas cette boîte-là, il faut un. Bah, il y en a plastique. Assez, non, regardez ces balles. Une boîte en plastique qui ferme bien avec les boîtes avec des couvercles verts. Bon, les amis, en tout cas, celui-là, je l'ai attrapé. Il fera de mal à personne. Vite, va chercher les boîtes. Ouais, les tupperwares. Bon, tiens, aide-moi à le tenir. Tiens, le super bien, ok. Ok, ouais. Attends, j'ai pas la force. Non, pas dans cette boîte là, il va s'échapper. Pas dans cette boîte là. Cette boîte là, ça marche pas, les amis. Regardez, il y a des trous comme ça. Ils réussissent à s'échapper. Faut que tu ramènes une boîte verte. Bon, on va fouiller toute la maison en recherche de. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Valentin? Valentin, Valentin, qu'est-ce qui se passe? Regarde. On a réussi à. C'est lui qui t'a enfermé. Et oui, c'est moi qui ai piégé Valentin. C'est moi qui l'ai piégé. Attends, je t'aide à le tenir. Vous ne réussirez pas à le libérer. Je vais vous piéger pendant tout votre été, pendant toutes les vacances. C'est pas possible. Valentin. Aide-moi, lui. Valentin. Oui, ouvre la vitre, on va essayer de te faire sortir par la vitre. Allez, viens, vite, dépêche-toi. Déjà, il y a la ceinture qui me bloque. Mais enlève la ceinture. J'arrive pas à l'enlever. Je peux pas l'enlever. Oui, bon, attends, cette porte, elle est bloquée aussi. Même de l'intérieur. Et oui. Même de l'intérieur, elle est bloquée. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il est bloqué dans la voiture. Allez-y, peut-être en le mettant dans la boîte. C'est bon. Allez, t'as intérêt à libérer Valentin, toi. Celui-là, on l'a enfermé dans la boîte, c'est bon. Enfin, ferme bien. Hop, après voilà, on va le bloquer dans le coffre-fort, ok? Attends, faut aider Valentin maintenant. Ouais. Tirer sur la ceinture. Attends, ouais, on va tirer sur la ceinture. Mais essaie de passer à travers. Ça marche. Okay, vas-y, passe par la fenêtre maintenant. Ah oh, non, je passe pas. Si. Ah, non. Mais elle est bloquée. Je pense que c'est les lutins qui ont pris les clés. Attends, maintenant qu'il est enfermé, ça va peut-être marcher. Non, mais ça doit être ses amis. Allez, passe par là. Ils sont plusieurs, ils ont dit qu'ils étaient plusieurs. Bon, passe par devant. Allez, par la fenêtre. Non, je préfère par le coffre. Ouais, bah le coffre il va être fermé aussi s'ils ont pris les clés. Bon, les amis, ils sont plusieurs dans notre maison. Parce que moi j'ai été pranké ce matin. Lily Rose a été prankée. Peppa Pink a été piégée aussi. Valentin, donc ils sont au moins 4 lutins à nous piéger en même temps. Je suis ouvrir la porte et c'est bien. Il y avait la porte arrière qui était ouverte là-bas. Ok. Et bon, il se débat. Ouais, non, mais celui-là. Tiens, prends-le, Seba, Lily. Faut déjà l'enfermer. Attention. Celui-là, faut déjà l'enfermer, les amis. Mais lui aussi, faut l'enfermer. On va le mettre dans un coffre-fort et on va aller à la chasse aux lutins farceurs. Faut qu'on trouve tous les autres. Allez, bon. On va se séparer dans la maison. On va se séparer. Moi, je vais fouiller tout le sous-sol, toute la cave. Lily Rose, tu fouilles toute ta chambre. Tu fouilles les chambres de l'étage. Et Valentin, tu fouilles tout ce qui est cuisine-salon, ok? Ok. Voilà, moi, je vais être tout seul ici. Et on va fouiller absolument partout pour essayer de tous les trouver. Si vous les trouvez, vous les tenez et on vient avec des boîtes pour les enfermer. Bon, les amis. Oui, allez, dépêchez-vous. Bon, les amis, peut-être qu'il y aura un deuxième épisode des lutins farceurs en vacances. Parce que là, ça promet. S'ils sont plusieurs, ils vont refaire des pranks. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine. Ciao, les amis.